Au nom de la loi, nous nous déclarons unis par le mariage. moment, le voyant doit lever. Tu veux dire quoi? Amen. Père, bénissons ces alliances, Seigneur. Les plongeons dans le sang de l'agneau. Que ces alliances, Seigneur, sont les alliances du bonheur. Les alliances de l'amour. L'amour pour toute la vie. L'amour jusqu'à ce que tu rappelles chacun d'eux. Des alliances de paix. Tu es le prince de paix. Le Seigneur, ces alliances sont plongées maintenant de le sang de l'agneau. Et que les mains qui les ont fabriquées, façonnées, si ces mains étaient pas claires, que tout ce qu'ils ont transmis dans ces vagues soit annulé au nom de Jésus. Que ces alliances sont les alliances de paix, les alliances nouvelles et éternelles qui sont en train de tisser avec toi. Alliance de l'engagement, commitment, de les alliances de fidélité devant ta face, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénissons ces alliances. Bénissons ces alliances procureront un nouveau départ dans leur vie. Les parents, venez, on va prier pour eux. Devant témoin, devant l'église, devant les parents, les amis, les ennemis, parce qu'il y en a toujours dans la salle. Il y a quelqu'un qui est venu regarder. Tu vas voir ça bien. Ton cœur va chauffer. Amen. Mais c'est ton problème. Il y en a même qui espéraient le mariage et elles viennent voir si effectivement ça a eu lieu. Ça a lieu. Amen. Quand te fait mal au cœur pour rien. Lorsque je me mariais, il y a une qui était là. Et puis à maman. Donc c'est vrai. Et puis il fait comme ça, oui, c'est vrai. Comme ça. Amen. On va lui donner un micro et il va enfiler la bague. C'est vrai que à la mairie aujourd'hui on dit la femme aussi doit partager les charges et chercher à faire quelque chose. Mais nous dans l'église, l'homme est le chef de famille et la femme doit se soumettre à son mari. Amen. Donc tu vas aller où est le micro? Voilà, approchez ça de sa bouche. Il va parler à sa femme. Dis-lui ce qui vient de ton cœur. Dis-lui ce que tu ne lui as jamais dit. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à quelqu'un dans la salle. Voilà, il faut que ce soit différent. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Voilà, donc parle à ta femme. Ma chérie, mon miel. Son petit nom. On va échanger ça. Ma cote là c'est dans la Bible, nous tous on connaît. On se prend l'ancien nom, hein? Dulciné. Pas Dulciné. Non, 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 on n'est pas d'accord. Dulci. Oui, Dulci. Dulci. Mets le temps. Dulci. Elle est alafu maisha bange jana mtoto hapa moya basa noma ya pai muso ya 200 francs alors amen ma piscine le premier fidélité et amour jusqu'à la fin de nos jours. Je t'aimerai, même dans la maladie, comme dans la santé. Même si tu m'insultes. Oui. Je t'aimerai dans le feu, comme sans le feu. Nous mourrons, c'est la mort seule qui nous séparera. Amen. Amen. On n'est pas d'accord. Ok, voilà, parle à ton mari, dis-lui ce que tu lui promets devant tout le monde. Comme ça, le jour où tu dis autre chose, nous on a enregistré. Amen. Amen. Dans la chambre, tu dis amen. Normalement, elle a toujours blagué. Comme j'aime bien l'appeler, Eligno. Eligno. Chérie Eligno. Chérie Eligno. Je te promets, ce matin, ce matin, on est le soir. Ce soir, devant les anges, devant Dieu qui est notre Père, devant notre famille, nos amis, je promets fidélité et de te respecter, de t'honorer tout le long de notre vie. Je promets fidélité et beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse tout au long de notre vie. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Amen. Non. Vas-y, 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 vas-y. Et s'il se levait même? Pas Dieu. Non, non, pour que tout le monde voit. Le prophète Elie, son ex-fiancé, marié.